Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette fois-ci pour le rallye Terre d'Armagnac. Après 5 heures de route, nous voilà enfin arrivés à Nogaro où se déroule cette 6e épreuve. Comme d'habitude, la journée du jeudi fut dédiée aux reconnaissances des spéciales. Et après avoir retiré les roadbooks à 8 heures au circuit automobile de Nogaro, nous avons pu commencer le long travail de prise de notes. Au programme de la journée, 4 spéciales à reconnaître, Perki et Peugeot qui sont les deux spéciales de la journée du samedi, puis l'Armagnacaise et Midour, deux des trois spéciales du dimanche, puisque la 5e spéciale Nogaro, qui clôturera cette épreuve, devra se reconnaître en convoi avec les organisateurs le vendredi matin. Durant cette journée de reconnaissance, nous avons découvert des spéciales vraiment très techniques, notamment celle du dimanche, où la moitié des spéciales se déroule en sous-bois, avec une multitude d'enchaînements de virages et où il n'y a quasiment aucune ligne droite pour pouvoir se reposer. La prise de notes a été longue, mais surtout pas facile à faire, avec des virages pas toujours évidents à interpréter sur le papier. Néanmoins, on a fait le boulot, qui s'est terminé pas de bonne heure, puisqu'il a ensuite fallu réécrire toutes les notes au propre sur l'ordinateur. Après une bonne nuit de sommeil, on rattaque le vendredi à 9h avec les reconnaissances de la 5e spéciale, Nogaro. Une spéciale très courte, environ 5 km, mais très sinueuse. Cette spéciale clôturera le rallye le dimanche soir et nous y ferons qu'un seul passage. Vient ensuite le moment de finir de préparer la voiture en collant les plaques autocollantes du rallye qui servent d'identification tout au long du week-end. Puis nous nous rendons au circuit automobile de Nogaro où se sont déroulées les vérifications administratives et techniques. Tu t'éclates ou tu te fais plaisir? Oui, voilà, bah, de toute façon, c'est le but principal. Hein, c'est de... Oui, mais enfin, tu fais quand même des bonnes temps, des fois. Hein. Oui. Une fois tout vérifié, nous avons fait une liaison de 20 km direction le village de Toujouze, où nous y avons laissé la voiture en parc fermé. Samedi matin, nous avons rejoint la voiture à 7h30 au parc fermé pour sortir à 8h01. Nous avons ensuite fait 15 km de liaison pour rejoindre le parc d'assistance qui se trouvait à Perki et où nous avions 15 minutes pour intervenir sur la voiture avant de prendre part au départ de la première spéciale. À 40. Merci. Tout à l'heure. Tout à l'heure. On a départ 30 mètres équerre large en sortie pour 100 mètres très long gauche referme. 3, 2, 1. Allez, go. 30 mètres équerre droite large en sortie. Équerre droite large en sortie. 100 mètres très long gauche referme. Très long gauche referme, puis long gauche corde. Il y a moyen que ça glisse un peu. Ouais, long gauche corde. Ouvrir avant très long gauche referme, encore plus en sortie. Encore plus en sortie pour 140 droite corde à fond peut-être. Oh putain, je suis large. Pour 150 gauche à fond et arriver en 160 droit. T'as quand même beaucoup d'air pour l'instant pour te cueillir dès que tu t'écartes un peu de la trajectoire. Oui, hein. C'est sûr. La première compression passe un petit peu là. Faire attention, ça glisse. Là, c'est un peu la patinoire. C'est un peu, on s'est pas fait de chaleur, mais il y a pas mal de virages où on est sorti large. On n'était pas dans la trajectoire parce que ça glissait en fait. Donc, ça va sécher. Le deuxième passage, ça aura bien séché. Et là, on va dans la deuxième. Il y a un gros bourbier dans la deuxième, donc je pense qu'on va pas être trois pour rentrer. Allez, go. Gauchy à fond. Pour équerre gauche ouverte. Équerre gauche ouverte. Pour 130 droit. 130 gauche bambou. Très très long droit dans trace. Pour 140 gauche corde. T'as pas senti que t'étais monté un peu en l'air? Oui, j'ai senti, oui. Compression pour très long gauche referme. Très long gauche referme. Oh. Corde en sortie. Avant gauche, avant bourbier.
Prépare-toi à l'essuie-glace. Laisse comme ça, s'il n'y a rien. Laisse. 80 mètres, écart gauche. Écart gauche. Allez, finis en 130 gauche pour écart droite. Hein. Je vais pas voir Valentin. Hein. Allez, écart droite, écart gauche. On voit rien. Écart droite. Allez, et arrivé. Là-haut. Putain, c'était chaud là, je voyais rien, je pensais qu'on partait dans le bois. Ça doit pas être trop mal hein. Ah, franchement elle est pas vilaine, ouais. Ah l'épingle droite là à un moment donné avant 130 gauche là. Ouais. Ça a bien tourné, hein, j'ai engagé, mais je pensais qu'il était plus loin de gauche et du coup j'étais La fin était piégeuse, elle, c'était très glissant là avec des gros dévers, on s'est fait un peu emmener vers un bois, là j'ai cru qu'on allait dedans, ma foi non. Et voilà. Elle était moins évidente que la première, un peu plus piégeuse. Et là on doit faire troisième temps. Troisième temps. On voit ce qu'on voit, puis qu'on entend ce qu'on entend, on est bien obligé de penser ce qu'on pense. Hein? Mais ça où toi? Oh, un vieux savant qui m'a dit ça une fois. Il se reconnaîtra. Écart droite, corde en sortie. Pour long droit, referme. Long droit, referme pour épingle gauche et droite. Attention, hein. Pas comme tout à l'heure. Oh, c'est beau là. Pas trop ça. Ouh. Allez, pour écart gauche. Joli, enfilade en descente. Hein. En train de droit. Pour enfilade de droite, gauche aux arbres. Pour écart droite, en trace. Tranquille, Valentin. Hein. Pour long droit, referme, corde plus en sortie. Avant épingle gauche. Tu peux même prendre dans l'herbe un peu si tu veux. Et arriver. Elle est chaude celle-là. Ouais. 7,50, 40 secondes par rapport à ce matin. Dans la descente, tout en glisse, c'était beau là. Il n'y avait pas trop de déchets là sur celle-là, c'était pas mal. Pour 140 gauche, ménage glissant pour 140 gauche. Oh Valentin, oh 140 gauche, 130 pour 130 gauche. Qu'est-ce qu'il y a lui ? Oh, cette ornière pour tout casser là dès le départ déjà. Ouais, t'avances mon lapinou ? Oui. Oh là, les deux roues c'est pas bon pour eux là, les cardans. Ça se passe bien ? Ça va ? Dans une minute. Merci. À demain. À demain. Bonne soirée. Bon, pareil, propre sans risque. Ouais. Allez. J'espère qu'il n'y aura pas le bruit. Normalement, plus ça couine, plus c'est bon, comme on dit. Hein, mais ça dépend dans quelles circonstances. 15 secondes, bien sûr. C'est bien, mon lapin. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. 3, 2, 1. Allez, go. Première journée de terminée, plutôt une bonne journée. On a été régulier tout au long de cette première journée avec des deuxièmes et des troisièmes temps sur les cinq premières spéciales et un scratch dans la dernière. Donc c'était cool, une bonne vitesse, des belles spéciales, plaisant à rouler, pas de frayeur. Je pense que rouler vite mais avec une marge de sécurité, donc voilà, c'est bien et les temps étaient bons. Donc quand c'est comme ça, ça se passe bien. Et ce soir, on est deuxième du provisoire à 10 secondes de la tête et avec une trentaine de secondes d'avance sur le troisième. Donc voilà, le contrat est rempli pour cette première journée. Demain, on va attaquer la deuxième partie en deuxième position, mais on est au contact et on aura 6 spéciales pour essayer de remonter. Donc voilà, demain, ça va être un petit peu différent. Les spéciales vont être plus longues. Moi, en reconnaissance, j'avais préféré celle du dimanche, donc voir si ça peut
si ça peut jouer en notre faveur et si on peut essayer de mettre un peu plus de rythme et d'améliorer encore les temps par rapport à aujourd'hui. Le but, ce serait de faire plus de scratch pour prendre la tête. Et puis voilà, mais bon. Pour l'instant, voilà. On essaye de continuer comme on a fait aujourd'hui. Et la voiture va bien, on n'a pas eu de problème majeur. Voilà, pourtant il fait très chaud aujourd'hui. C'était plus physiquement où c'était un peu compliqué. Les 4 premières spéciales, ça allait. Mais arriver à la 5e et 6e spéciale en plein milieu d'après-midi, c'était un peu compliqué. Il fait très chaud dans la voiture et là on est bien content d'arrêter ce soir. Et voilà, d'aller prendre une bonne douche et de se requinquer pour demain. N'est-ce pas, copiloto? Oui. T'es chaud patate ou pas? Ben, quand j'aurai bu ma bière, ça ira mieux. Voilà. Allez, rendez-vous demain. Attention, hein. Glissant. Oh, Valentin. 130 gauche. Glissant. On va mettre l'écart droit, hein. L'écart droit trop ferme. Faire pas tout, là, Valentin. Oh. Allez. Pour long gauche. Pour écart gauche, glissant. J'ai mieux aimé celle-là que la première. Mais elle était pas évidente, là. Toute la première partie, c'était dans les bois, ça glisse grave, ouais. Bon, ça a fait des chaleurs, mais on a vite compris qu'il fallait quand même pas faire d'erreur à cet endroit-là parce que ça partait vite. Et bon, c'était pas mal, là. Je pense que c'est le troisième temps, je crois. Manu Castan qui nous met 15 ou 16 secondes, un truc comme ça, qui a bien roulé. Jordi une seconde et après ça se tient. Là, on est toujours devant au classement, du coup. Suite à la. Je crois que Pierre Dartaud il abandonne après la première spéciale. Mais par contre, ça s'est bien resserré. Là, on est. 1, 2, 3, les 4 premiers en combien, 6, 7 secondes. Ouais, ok. Son canam avec son équipier Antoine Bosset, Valentin Giraud.
Hop là. Et pour lui, Pépi. Honneur de ce pilote qui remporte une nouvelle victoire ici en terre gersoise. Je cite Anthony Bois, Guillaume Noir. Je vais vous laisser applaudir ce beau podium. Vous pouvez les applaudir. Tu as eu un petit souci à un moment et tu as eu du mal à revenir sur la fin de parcours où tu veux protéger ton auto. On a fait une bonne journée hier où on était plutôt dans le rythme et on était en bonne position ce matin. Mais voilà, j'étais plus fort aujourd'hui et j'étais quand même un tour en dessous et du coup j'ai perdu tout mon avance.